Votre chat miaule trop? Voici ce que vous pouvez faire. Saviez-vous que les chats ne miaulent pas entre eux après l'âge de chaton? Une fois adultes, les chats ne feront que miauler pour nous, ce qui est vraiment très spécial. Un de mes chats, Miss Pinky, et moi avons de longues conversations, et elle répond même à mes questions. Est-ce que tu m'aimes, Pinky? Avez-vous faim? Es-tu une bonne fille? Miaou, répond-elle, avec un cri occasionnel ou un hochement de tête non. Étonnamment, elle dit aussi non au moment approprié. Parfois, nous faisons des allers-retours pour discuter de choses pendant un bon moment. Miss Pinky est tout à fait la causeuse. Quand c'est trop. Mais que se passe-t-il si votre chat miaule trop? Est-ce que c'est possible? Si votre chat vous miaule sans arrêt, c'est non seulement agaçant, surtout à 2h du matin, mais cela peut aussi indiquer un problème. Ou, il se peut que vous ayez juste un chat extraordinairement bavard. Voici cette raison derrière le miaou, miaou, miaou de Kitty. C'est une race vocale, certaines races de chats sont naturellement plus vocales que d'autres. Par exemple, les chats siamois et persans ont tendance à parler beaucoup, tandis que les races comme les Maine Coons et les Ragdalls sont plus calmes. Il a faim, elle, heure du dîner approche, vous êtes toujours devant l'ordinateur et votre chat panique. Est-ce que mon houman me nourrira jamais? Bien sûr, il miaulera pendant que vous préparez son assiette, mais le dîner arrêtera en effet le miaulement. Il y a des distractions extérieures, votre chat peut voir d'autres chats et animaux rôder dehors, et il veut enquêter. S'il y a des oiseaux, votre chat peut ressentir le besoin de chasser et miauler d'excitation et de frustration. Vous pouvez soit fermer les stores, soit le laisser profiter des activités par la fenêtre. Votre chat n'est pas soigné, si votre chat n'est pas stérilisé ou stérilisé, vous entendrez peut-être beaucoup de miaulements la nuit. Les chats mâles non altérés feront tout ce qu'ils peuvent pour sortir et s'accoupler. Les chattes seront bruyantes lorsqu'elles seront en chaleur pour attirer l'attention d'un mâle. La stérilisation et la stérilisation mettent fin aux appels de butin de minuit de votre chat. Un autre chat est piégé, parfois, je ferme la porte d'une pièce, ne sachant pas qu'un chat m'a suivi à l'intérieur. Mes autres chatons n'hésitent pas à me dire, avec beaucoup de miaulements, que l'autre chat est piégé. Faites confiance à votre chat s'il se cache devant une porte et pleure, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Il est sur le point de vomir, de nombreux chats se mettent à gémir lorsqu'ils ne se sentent pas bien et sont sur le point de vomir. Si vous avez de la chance, vous pouvez déplacer votre chat vers une surface plus nettoyable avant qu'il ne fasse son travail. Parce que comme vous le savez, les chats préfèrent vraiment vomir sur la moquette blanche. Il s'ennuie ou est plein d'énergie, si votre chat ne fait pas assez d'exercice pendant la journée ou a peu de jouets pour l'occuper pendant qu'il est seul à la maison, il se tournera vers vous pour jouer. Miauler est sa façon de vous faire savoir qu'il est temps de jouer. Il se peut aussi qu'il veuille juste une attention aimante. Dans ce cas, blottissez-vous dans une couverture douce et regardez Netflix ensemble. Si miauler beaucoup est un nouveau comportement, faites examiner votre chat par votre vétérinaire, qui pourra vous dire s'il a des problèmes de santé qui pourraient être à l'origine de sa vocalisation excessive. De plus, à mesure que nos chats vieillissent, ils ont tendance à miauler davantage. Surtout s'il commence à perdre son audition ou à devenir sénile, votre chat peut miauler beaucoup et bruyamment pour s'apaiser. Quelle que soit la raison pour laquelle votre chat miaule constamment, faites attention à ce qui se passe dans son monde. C'est la clé pour comprendre ses motivations de miaulement. Tant qu'il est heureux et en bonne santé, profitez simplement des discussions avec votre chat. Vous trouverez peut-être un moyen de résoudre les problèmes du monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.